Bonjour à tous, nous sommes là pour une partie de Monsterpocalypse en 1 contre 1 et je suis en compagnie de monsieur David Riley. Bonjour David. Salut Léo, ça me fait super plaisir d'être là avec toi et de jouer à Monsterpocalypse. En plus, on a la chance d'avoir des figurines peintes par notre illustre Sébastien Lavigne et ses comparses Spony de la Vida et Poc Poc avec le studio Crazy Apex. Donc ça va être vraiment super beau. On est donc dans de bonnes conditions. Alors, on joue sur un prototype, par exemple. Il y a un certain nombre de choses qui sont finales, mais tout n'est pas complètement final, notamment, par exemple, le plateau de gestion des dés qui sera retravaillé lui aussi. Mais en revanche, les cartes, le design des cartes, c'est à peu près ce qu'il y aura. Le plateau de jeu, c'est pas tout à fait non plus la version finale. On a une version qui est plus poussée, mais... ça vous donnera quand même une bonne idée de ce à quoi va ressembler le jeu au final. Donc, nous jouons une partie en 1 contre 1. Le but, nous jouons avec un seul monstre, et le but, c'est d'éliminer le monstre adverse. Alors, dans cette partie, on ne fait pas d'explication de partie, on va jouer directement pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Mais on va quand même commencer par la présentation des deux forces en présence. Je te laisse commencer, David. Non, merci Léo. Alors moi, je vais jouer avec les Planet Eaters. Alors les Planet Eaters, ce sont des... c'est-à-dire les dévoreurs de planètes. Les dévoreurs de planètes en français. Ah oui, ça va être un peu du Jean-Claude Van Damme. On va osciller entre anglais et français. Donc les Planet Eaters, ce sont des extraterrestres qui traversent le cosmos à la recherche de planètes à détruire. Clairement. J'aime bien. Clairement. En fait, le fluff... qu'on raconte d'ailleurs un petit peu dans notre communication sur les réseaux sociaux. Dans l'histoire de Monsterpocalypse, les Planet Eaters arrivent via une comète qui vient percuter, s'écraser sur la Terre et libérant donc les gigantesques monstres dévoreurs de planètes, notamment Gorgadra, qui va être le monstre ici présent et que je vais trouver. Alors, pour vous détailler très rapidement les forces en présence, on va donc avoir Gorgadra. Alors Gorgadra, ses capacités spéciales, sans rentrer dans le détail, mais il a deux pouvoirs intéressants. Le premier, c'est qu'il va récupérer un dé supplémentaire de puissance, donc les dés rouges qui permettent aux monstres d'avoir des attaques plus puissantes. Il va récupérer un dé rouge en plus à chaque fois qu'il détruira un bâtiment. Donc lui, son but, comme les Planet Eaters, c'est vraiment de tout casser dans la baraque. On est d'accord. Et ensuite, il a Rind, qui c'est vénère, quoi. C'est vénère, oui. Ah. Merci Jean-Claude. qui va lui permettre de gagner également un dé de puissance à chaque fois qu'il subira un dommage. Ah oui. Ça, c'est donc pour Gorgadra, qui a donc aussi 6 d'attaque, 8 de défense. Ah oui. Ensuite, il va venir avec des Chompers. Donc on a ici les deux unités de base et une unité d'élite. Je précise que le jeu sera traduit en français, donc là on joue avec les cartes en anglais, mais évidemment vous aurez des noms français, comme on les a pas en fait, on utilise les noms anglais pour l'instant. Donc eux, leur particularité, c'est qu'ils attaquent au corps à corps. Bourne, en anglais. C'est pour ça que souvent je les appelle un peu ma bande de brawlers. Là c'est entre nous. Ensuite j'ai une Destructomite. Elle aussi, elle a que des attaques en corps à corps. Ce qui est intéressant, c'est que elle va réduire la défense d'un ennemi qui est situé à 2 cases d'elle pour les attaques de corps à corps de ses alliés. Donc typiquement, elle se marie plutôt bien avec les Chompers, qui d'ailleurs bon, ne font que des attaques au corps à corps, mais qui sont très puissants en corps à corps pour des petites unités Ouais, tout sont à fait. Plutôt balèzes au corps à corps. Tout à fait. Ici, on a les Scorchers, 3 unités de base, 1 unité d'élite. Eux, ils sont plutôt typés Blast Attack, attaque à distance. Et ils ont une particularité, c'est que... Ils volent déjà. Ils volent, ouais, exactement. Et ils ont une action qui s'appelle Ignite, qui permet d'allumer, de mettre le feu à un débris. D'allumer le feu. D'allumer le feu. Merci Léo. Ensuite... j'ai un Exterminatrix qui lui va pouvoir... Ah, moi j'aurais dit une.
Ensuite... Une exterminatrix. Une exterminatrix, non ? Oui. Bon, carrément. Donc, ici, on a une exterminatrix qui va pouvoir comboter avec les Scorchers, puisque elle a des blast attaques, donc des attaques à distance également. Alors, elle a des capacités intéressantes. La première, c'est Devastation, qui fait que quand elle détruit un bâtiment, elle va détruire potentiellement les unités autour. Ensuite, Penetrator, quand elle résout une attaque, elle va descendre de 1 la défense des unités ennemies. Ah ouais. Et puis, Demolisher, quand elle détruit une unité, enfin, quand elle détruit un modèle ennemi, je gagne un dé supplémentaire de plus. Donc c'est clairement une élite en fait, c'est une unité spécialiste, clairement une élite. Exactement. Tu en as quelques-uns d'ailleurs, hein. Tu en as trois toi. Donc trois unités spéciales qui sont ici, et donc il nous reste la dernière qui est un Explodo Hawk. Lui également fait des attaques en corps à corps. Il a Chain Reaction, donc ça permet de, quand on détruit une unité, on peut détruire les unités qui sont adjacentes à cette unité. Donc réaction en chaîne. Exactement. Ouais, son inconvénient, c'est que l'Explode Hawk, il ne peut pas faire d'attaque combinée avec d'autres unités. C'est un peu un loup solitaire. Une sorte de kamikaze, il va, il se met kamikaze. Au milieu des ennemis, des troupes, et puis il se fait sauter. C'est sa dernière capacité. Autodestruction. Quand il résout une attaque et qu'il réussit à faire des dommages, à engendrer des dommages, il va être replacé dans la réserve. Donc il fait une attaque contre une unité, il va détruire toutes celles qui sont autour. Donc, ouais. En fait, il se fait exploser au milieu des unités et il les élimine. Mais par contre, tu le replaces dans ta réserve. Très bien. Voilà pour les Planet Eaters. Parfait. Eh bien, pour contrer cette menace sur la Terre, matérialisé par les dévoreurs de planètes, il y a le GARD, G-U-A-R-D, qui est la réponse de la Terre à cette menace. En fait, comme tu l'as dit, vous êtes venu sur une comète. Et les observateurs terrestres se sont vite rendus compte qu'il y avait cette menace qui planait. Et donc là, pas moyen de tergiverser, il fallait réunir toutes les forces terrestres pour contrer cette menace. Et ça se matérialise par le GARD. Le GARD, c'est quoi ? C'est toutes les ressources de la Terre mises en commun pour essayer de construire des robots absolument gigantesques qui pourraient faire face à cette menace. Et donc, c'est la petite armée que j'ai là, elle est vraiment du GARD. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a un représentant qui est le Defender X, qui est mon gros monstre, donc un robot de 60 mètres de hauteur. Qu'est-ce qu'il a comme capacité spéciale ? Eh bien, déjà, il est mécanique, donc ça lui donne des avantages dans certaines situations. Il a disruption, c'est-à-dire que lorsqu'on est à proximité de lui, on est un petit peu moins efficace. Donc tu perdras un dé de boost pour chaque un dé bonus, donc pour chaque unité qui se trouvera à moins de 2 cases de lui. Il a également, c'est le GARD, hein, il sécurise, c'est vraiment leur capacité. Donc chaque fois que il sécurise un ou plus, enfin que son armée sécurise un ou plusieurs bâtiments, je gagnerai un dé de puissance supplémentaire. Voilà. Sinon, il est bon en corps à corps, il est bon à distance, à peu près équivalent. Et surtout, sa grande capacité, sa grande force, c'est sa mobilité. Il est très mobile, il a des jump packs, donc il peut faire des sauts et sauter au-dessus des bâtiments, au-dessus des figurines. Donc ça lui donne une grande mobilité que tu n'as pas. Tout à fait. Il est accompagné de différentes troupes. Alors là, je vais montrer un petit peu. Il a un gros tank qui s'appelle un MR tank. Alors ça, c'est vraiment un tank gigantesque, hein. Il faut imaginer qu'il fait plusieurs étages de hauteur. C'est un truc absolument colossal qui a été créé par le GARD. C'est pareil, c'est une unité spécialiste, une unité d'élite qui est capable de tirer et d'essayer d'agresser un monstre. C'est-à-dire que quand j'attaque un monstre avec cette grosse unité, je vais recevoir 2 dés bleus, 2 dés bonus supplémentaires. Et c'est également une forteresse mobile, donc tous ceux qui seront à côté de moi auront plus 1 en défense, en cover, en couverture. Mm. J'ai également mes troupes d'Exo Armor. Alors, on peut voir mon élite,
et on peut voir les troupes de base. Donc eux, ce sont des robots géants, mais pas aussi grands, pas aussi géants que en Defender X. Et leur particularité, ils sont pas très très forts en attaque à distance, par contre ils sont balèzes au corps à corps, et surtout ils ne peuvent pas être écrasés par les monstres. Donc ton attaque d'écrasement, de stomp, ne fonctionnera pas contre moi. J'ai ensuite des avions, Strike Fighters. Donc j'ai l'élite, et j'en ai trois qui sont classiques. Donc eux, leur particularité, c'est qu'ils sont bons en attaque à distance, ils font pas de corps à corps, ils font que des attaques de tir. À une portée de 3, mais surtout ils ont le vol et ils sont très rapides, ils se déplacent de 7, donc ils sont extrêmement mobiles, c'est les plus mobiles des unités, je pense. Et enfin, j'ai mon petit hélicoptère, le Rocket Chopper. Alors lui, son intérêt, c'est que il est un peu moins rapide que les avions, mais il vole quand même, donc il est quand même bien mobile, et surtout il te localise et il fait baisser la défense d'une unité ennemie, donc si tu es à moins de 2 cases de 1 point. Alors c'est un petit peu l'équivalent de la Destructomite, sauf que toi tu fais baisser 1 point au corps à corps, alors que moi c'est uniquement pour les attaques à distance, ouais. Les blast attacks. Ouais. Okay. Donc voilà, alors nous sommes venus chacun avec 9 bâtiments qui sont tous dans la boîte de base, donc on a choisi parmi les bâtiments de la boîte de base 9 bâtiments qui nous intéressaient, donc 9 chacun. Donc moi j'ai pris donc des bâtiments normaux, puisque ceux-là on peut en avoir à plus de 4 exemplaires. Donc j'en ai 7 comme ça. J'ai ma... Alors ça c'est ma base, la base des gardes. Alors ça c'est un bâtiment très particulier qui me donne un avantage. Quand je le sécurise, quand il est sécurisé, j'ai droit, en dépensant un dé d'action, j'ai droit à une relance. Et ça c'est assez balèze. Ah ouais, on est d'accord. Et également une fois par tour, je peux, donc tant qu'il est en jeu, je peux avoir une unité qui va me coûter un point de moins à recruter. Ça facilite également si c'est chez les gardes. Et puis le deuxième que j'ai pris, alors il est moins intéressant pour moi, c'est pour ça que j'en ai pris qu'un seul, c'est le Downtown High Rise. Donc c'est une sorte de gratte-ciel du centre-ville. Il a une capacité qui permet pour les monstres non mécaniques, ce que je ne suis pas, s'ils font une attaque au corps à corps, de récupérer un point de vie. Donc ça te servira plus à toi. Mais il a une deuxième capacité, outre qu'il est un peu plus résistant que les bâtiments normaux, c'est que les unités qui sont adjacentes auront un bonus de plus 1, des bonus bleus donc, pour leurs attaques au corps à corps ou à distance. Voilà. Lorsqu'il est sécurisé. Lorsqu'il est sécurisé, bien sûr. Et toi ? Alors moi j'ai les apartments, donc j'en ai 7. Toi aussi. Et puis, j'ai 2 Downtown High Rise. Donc, tu en as pris 2 de décrire. Parce que pour moi, ils sont intéressants vis-à-vis de ce que tu as dit précédemment, c'est-à-dire que Gorgadroit, par exemple, pourrait, en le détruisant, récupérer un point de vie. Ouais. Au corps à corps, hein. Au corps à corps uniquement. Ouais. Eh bien, je pense qu'on est prêt. On est prêt à commencer. Mais oui, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer qui commence. Alors... Ça déjà. Voilà. On va le lancer sur la map puisqu'elle est vide pour l'instant, mais après on lancera tous les dés. Je fais 4. Moi je fais 2, donc tu seras le premier joueur. Donc, puisque tu es le premier joueur, alors, normalement, le premier joueur va choisir la carte qui l'intéresse. Quelle est la carte ? Alors moi, là comme ça, j'ai choisi. Oui. Destruction Junction. Ah, ça tombe bien, c'est la carte qu'on a là. C'est plutôt parfait. Bien foutu. Ensuite, le deuxième joueur, donc à savoir moi, ouais. Va choisir son déploiement, sa zone de déploiement. Soit la zone de déploiement bleue, soit la rouge. En fait, je crois que je vais choisir la bleue, elle me convient. Ok, c'est ton choix. Et ensuite, le premier joueur doit commencer à placer les bâtiments. Alors, on place les bâtiments d'abord dans les zones vertes. Sur les zones vertes. Et après dans les zones. Vas-y. Je vais tenter. Parce que c'est déjà une partie intéressante. Je veux dire, cette première phase, puisque justement, il faut choisir où on essaye de mettre les buildings qui peuvent nous apporter des bonus. Et déjà, ça fait partie de la tactique. Et bon, voilà. Donc moi, je vais essayer... D'avoir un avant-poste ici. Mmh. Je vais essayer ça. Parce que si tu le sécurises, tu pourras avoir des bonus pour tes attaques. Voilà. Moi, pour l'instant, je vais placer un bâtiment normal et je vais le mettre près de chez moi. Voilà. Toi. C'est bien légitime.
J'en ai moins de spéciaux que toi. Alors, je vais mettre celui-ci, ici. Ah, d'accord. Eh bien, je vais quand même mettre, moi aussi, un bâtiment un peu comme le tien, vers l'avant, pour pouvoir, moi aussi, faire des attaques. Je vais placer ça. Oui. On sent déjà tout le stress. Oui. Là, je place mes bâtiments normaux. Tu dois d'abord les placer sur... Ah oui, excuse-moi, tu as raison. Oh là là. Ça commence. Quelle erreur. Voilà, je le place là. À toi. Eh ben, il reste plus que... Non, il reste deux emplacements. Tout à fait. Eh bien, écoute, on va s'amuser à foutre le bazar au centre. Oh là là, tous les downtown high-rise, tous les gratte-ciels sont en fait au centre de la... D'accord. Eh bien, moi, je vais mettre un dernier bâtiment... Tu mets pas ton... Non, je mets pas ma defense guard base. Non. Ma guard sais. Defense je base, sais non. Je le sens pas trop, pas trop près. Maintenant, on va remplir les zones jaunes. Alors, tu peux les remplir ici ou chez moi, si tu veux. C'est vrai que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et c'est ce que je vais essayer. Parce que ici, pour expliquer un petit peu, ça peut être une zone intéressante pour toi, pour positionner ce bâtiment pour les guards, parce que tu vas pouvoir recruter autour et sécuriser. Si je veux essayer de t'embêter un petit peu, parce que je suis un dévoreur de planètes, tu vas me mettre un bâtiment basique dans la zone la plus facile à sécuriser. D'accord. Eh bien, dans ce cas, je vais tout de suite le placer à un endroit qui peut m'intéresser, qui sera le plus loin de chez toi. Je vais le mettre ici. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut regretter. Donc là maintenant il n'y a plus que des bâtiments normaux à placer, donc le choix est plus, je vais mettre plus simple. Je vais mettre là. Je vais mettre là. Je vais quand même regarder ça. Notre ville est construite et donc on est cette fois-ci prêt à commencer. Donc, ça sera le premier joueur qui va commencer. Et c'est toi, David, avec ton Gorgadra. Effectivement, contrairement aux unités, on place dès le setup, dès l'installation, le monstre principal. Donc, tu vas le mettre ici. On le positionne. Moi, je vais me placer. Le déploiement est fait. Et bien maintenant, premier tour commence. Et c'est forcément un tour d'unité. C'est à toi, David. Comme je disais, moi, l'idée, c'est quand même de tout péter dans la baraque. Donc, je vais essayer de détruire un bâtiment, si possible. Je vais sortir l'exterminatrix. Je vais mettre pour 2 points. Elle coûte 2 points. De dédaction. Ah ouais, c'est pas une grunt, hein ? Non. Ah si, c'est une grunt, mais c'est une grunt qui coûte 2. Voilà. Normalement, les grunts coûtent 1. Je vais sortir une élite. Une Scorcher Elite. Sortez. Et puis avec le reste, je vais le mettre ici. Là, nous sommes dans la phase de spawn, génération des Exactement. Monstres qui apparaissent sur nos cases bleues pour moi, rouge pour elle. Donc je vais dépenser un dé supplémentaire. Scorcher ici. Tant qu'à faire. Il reste 5 dés ici, il faut que j'en garde quand même, si je peux le mettre dans espérer pouvoir faire une attaque. Je vais sortir un autre scorcher ici. Est-ce que tu as fini ta phase de génération? Exactement. Donc tu. Voilà. Donc maintenant ça va être la phase de mouvement. Exactement. Donc la phase de mouvement, l'exterminatrix. Elle a 4 de déplacement. 4. Alors là, tu occupes. Une zone qui te permettra de bénéficier également de la zone de génération verte. Exactement. Tu pourras apparaître là au prochain tour si tu es toujours présent sur ce point-là. Ensuite, je vais me déplacer avec le Scorcher. Lui, il a... Combien de vol? Ouais. Et il a 5. Je peux aller ici. On n'a droit qu'à une seule diagonale. Une seule diagonale sur le déplacement. Et même pour le calcul des portées. Et il n'y a pas de ligne de vue dans ce jeu, il y a juste la portée. Je vais venir ici
avec l'autre Scorcher. Ouais. Ah oui, il veut vraiment popper près de chez moi au prochain tour. Hein. Et c'est d'accord. Ça qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'il y a vraiment pas mal de stratégies possibles. Est-ce qu'on détruit, est-ce qu'on sécurise, est-ce qu'on détruit, est-ce qu'on essaie de spawner au centre. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire. D'accord. Je te dis tout, hein, comme ça, on est entre nous. Oui, là. Mais je sais très bien, je le connais. Il peut très bien dire ça et faire exactement l'inverse après. Aussi, mais... C'est aussi pour montrer quelques tactiques. Oui, enfin, cela dit, c'est vrai. Pour expliquer un peu les tactiques. C'est vrai qu'il y a plein de tactiques différentes. On peut rester, on peut détruire des bâtiments, on peut essayer de se positionner sur les points de power pour gagner des points de power. Enfin, on peut essayer d'occuper la zone négative, on peut essayer d'occuper les zones qui permettent de popper au prochain tour. Donc, il y a plein de possibilités. Alors, 1, 2, 3, 4... Alors, évidemment, ceux qui en volent, ils s'en fichent des terrains difficiles. Hein. Et même des bâtiments peuvent voler au-dessus. Écoute, pour l'instant, je... Est-ce que ton exterminatrix, elle est tout terrain? Alors l'exterminatrix, elle a high mobility, comme le Guard, comme Defenderix. Donc ensuite, je vais, comme je l'avais annoncé, détruire un bâtiment. Alors lequel? Essayer en tout cas. Lequel veux-tu viser? Alors ces deux-là vont tenter de détruire, par exemple, celui-ci qui est à portée des deux. Donc c'est une attaque combinée. Je dois mettre à minima... Est-ce qu'il y en a qui font baisser la défense? Non, hein, pas parmi ceux-là. Lui fait baisser la défense du building de 1. Mais même à cette distance? Oui, c'est chaque attaque. Donc si tu attaques ce bâtiment-là... Oui. Sa défense est de moins 1, donc normalement les bâtiments ont 5. Là, ils se retrouvent avec 4, c'est ça? C'est exactement ça. Chacun vient avec 2 dés bleus, 2 dés de bonus, donc 4 dés bleus. Et puis j'ai mis... Pour l'instant, tu as mis 2 dés blancs, est-ce que tu pourrais en mettre plus? Ils ont combien? Ils peuvent avoir 1 ou 2. Je peux mettre plus. C'est ce que je vais faire. Donc tu vas lancer le maximum. Ils pouvaient lancer chacun 2 dés blancs. Donc l'exterminatrix peut lancer jusqu'à 3 dés. Et le Scorcher jusqu'à 2. Et tu lances tout ce qui te restait. J'essaie d'assurer. Ok. Et c'est... pas des masses réussies, j'ai envie de dire. Mais tu n'as pas une capacité qui te permet de relancer tes dés? Je ne crois pas. Ah, c'est dommage. Je ne relèverai pas. C'est... Donc en fait, les deux créatures ont fait une attaque combinée pour essayer de détruire le bâtiment. Il leur fallait faire 4, mais malgré tous les dés qu'il a lancés, il n'a pas réussi. Et donc cette attaque, en fait, la bave ou le feu s'est éclaté contre le bâtiment. T'allais à côté, ouais. Quoi. Non, c'est... ça... Ouais, d'accord. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Après la phase d'attaque, on a la phase de push, la push phase. Mais c'est-à-dire qu'en fait, si tu restais des dés dans ta phase... Ce qui n'est pas mon cas. Donc, ta zone d'unité, tu pourrais les mettre dans la zone de monstre. Exactement. Donc, au moins, tu as tout aidé dans la zone de monstre. Ça veut dire que le prochain tour, il va forcément activer son monstre. Exactement. Je le sais. Bon. J'allais dire, ça commence plutôt pas mal pour la destruction de la planète. Finalement, ça fera plaisir aux humains qui nous regardent. Mais évidemment. Donc, voilà. Pour l'instant, la ville, elle est toujours entière. Je suis très content. Non, mais voilà. J'ai envie de tout casser, mais en même temps, voilà. Tranquille. On verra. Eh bien, c'est à moi. Je vais faire donc une phase d'unité, forcément, et donc je vais faire apparaître mes forces. Eh bien, je vais faire apparaître une petite exo-armor ici, pour 1. Je vais en faire apparaître un deuxième, donc ça va me coûter 2. Mm-hmm. Voilà, on fait apparaître un deuxième. Qui va pousser... Qui va donc pousser le premier, et je vais le faire pousser vers l'arrière, comme ça. Ok. Ah ouais, d'accord. C'est comme ça. Ensuite, je vais faire apparaître mon exo-armor élite, donc leur chef. Et celui-là, je vais le faire apparaître ici. Ensuite, je vais faire apparaître un avion ici. Un avion normal. Donc je dépense 1, je vais le mettre ici, juste dans ma zone. Ensuite, je vais faire apparaître mon tank. Mon gros tank. Donc, c'est un spécialiste, il coûte 2. Je vais le faire apparaître. Ici. J'aime pas plus que ça ce tank. Je sais pas pourquoi. C'est vrai? Ouais, je sais pas. Ça me rappelle peut-être des mauvais souvenirs quand j'étais venu la première fois. Je vais faire apparaître ma dernière exo-armor. Je vais la mettre ici.
Et enfin, je vais faire apparaître pour un mon rocket chopper, mon hélicoptère. Il apparaît ici. Donc en fait, j'ai utilisé tous mes dés pour faire popper mon armée, et donc je joue plus défensif, effectivement. Donc je n'ai plus de dés, donc tu sais que moi aussi, au prochain tour, je jouerai un monstre. Et maintenant, je vais faire la phase de mouvement. Ouais. Donc mon Nexo Armor ici va se déplacer là. Celle-ci reste ici. Mon élite se déplace de 5. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Mon avion va se déplacer de 7. Enfin, il peut se déplacer de 7. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir ici. Ensuite, mon tank, mon gros, mon MR tank, il va faire 1, 2. Il va venir sur la zone de pouvoir ici, de puissance ici. Mon Exo Armor va faire 1, 2, 3. Et enfin, mon Rocket Chopper, il va venir aussi, il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, je suis vraiment en défense. Et là, désormais, je sécurise ma tour ici. Mm-hmm. Je sécurise celui-là aussi. Parce que j'en ai 3 qui ouais. sécurisent là et j'en ai 3 qui sécurisent là. Et je sécurise ce bâtiment. Donc je suis vraiment en défense, en attente et en sécurisation. Voilà, j'ai terminé mon tour. C'est donc à toi pour ta phase de monstre. Donc en commençant par la montée en puissance. Le power-up, soit la montée en puissance. Donc le power-up, ici j'ai une zone de power positive. Ici aussi. Une deuxième. Donc ça me fait 2 dés. 2 dés rouges. C'est pas encore... génial pour faire une grosse attaque. Ça va pas être la même que toi à ton tour. Mais il se trouve que j'en aurais pas tellement plus. Hein. Mon moteur de génération de puissance n'est pas le même. Ouais, j'en aurais un peu plus quand même. Alors, tu as fini la phase de montée en puissance, maintenant c'est le mouvement. Exactement. Et j'hésite à venir te voir, t'entrer de jeu, pour qu'on soit, tu vois, épique, direct. Et c'est possible. C'est possible via une mécanique qui est le stepping, qui permet de dépenser des dés d'action pour bouger d'une case n'importe où, même en diagonale autant de fois que exactement. Veux. Alors ça va être un petit peu bourrin, mais en même temps, moi je suis Gorgadra, donc je suis pas vraiment là pour faire dans la dentelle, si tu vois ce que je veux dire. Eh ben essayons, de toute façon, tu vois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un stepping jusqu'ici. Du stepping, ouais. D'abord, avant ton mouvement. Parce que Gorgadra, c'est faire du stepping. Ça paraît bizarre, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait dépenser 6 démons. Hop. Ensuite, il va pouvoir se déplacer. 1, 2, 3. 5. Disons 6. Il serait là. Parce que le positionnement est quand même très important sur la suite de ce que tu vas me mettre. Dans la mouille. Bon, écoute, soit. Donc, je vais avancer de 6. Vas-y. Alors, 1, 2, 3, 4. Maintenant, t'as plus de diagonale. 5. Et il met 6. Ouais. Et je vais blaster ça. Une attaque à distance, hein. Sachant que Gorgadra, quand il fait une attaque à distance, blast sur un building, il le vaporise. Donc il n'y aura pas de ruines, ni de ruines enflammées. Non, moi je suis comme ça, monsieur. Donc tu sais quoi, c'est tes rayons là qui font... Ouais. Et c'est... Et voilà. Et il n'y a plus rien. Et voilà. Tout est désintégré. Bah c'est propre. D'accord. Donc... Alors qu'est-ce que tu vas investir comme dé? Donc en ton attaque de blast, elle peut avoir combien de dés? Elle peut avoir 4 dés blancs. Wow. Non, jusqu'à 8 dés blancs. Ah oui. La blast, elle peut avoir jusqu'à 4 dés blancs. Jusqu'à 4 dés blancs. 4 dés bleus. Ah oui, c'est plus au corps et à corps. Et on peut rajouter des power base. Ce que je vais faire quand même, parce que je vois que j'ai une chance qui est plutôt bonne, mais je vais quand même pousser un petit peu le truc. Donc, je vais utiliser mes 2 dés. Ouais. Parce qu'ici, je vais avoir une défense de 5 à battre. Et puis je vais utiliser peut-être ces dés-là, qui me laisseront... Donc en statistique, en moyenne, les dés rouges font 1, les c'est dés ça. Bleus font 0,8, hein. Exactement. Il y a 5 faces sur 6, hein, et les dés blancs font 0,6. 0,6, 6.
Eh ben écoute, je vais prendre ça. Alors c'est ça, et... Il faut que je passe 5. Il faut que tu fasses 5. C'est bon. Alors là, c'est bon. Donc là, tu vaporises ce... Voilà. Ce bâtiment, donc on le retire, et il n'y a pas de ruine. Non. Et comme tu l'as vaporisé, tu vas gagner des dés de puissance. 3. 2 parce que c'est un building. 1 de plus parce que j'ai Gorgadjois qui a Demolisher. Et est-ce que tu veux encore te déplacer? Est-ce que tu veux faire encore du stepping? Ou est-ce que tu veux te garder un dé de monstre? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux rester là où tu es? Est-ce que tu veux te déplacer de 1 éventuellement? Non. Non? C'est à toi. Moi j'ai les dés qui sont en place. C'est à moi. Bien. Eh bien, moi, j'ai forcément une phase de monstre. On va tout de suite faire ma phase de montée en puissance. Alors, malheureusement, à cause de la destruction, ben, je vais gagner un point de moins. Mais j'ai quand même... Enfin, en réalité, tu vas gagner 2 points de moins. Parce qu'à chaque building que tu sécurises, tu... Non. C'est un ou plus. Même si je sécurise plusieurs buildings, je n'ai que un de plus. Ça marche. Donc là, j'ai un power ici. C'est le seul, je crois, que j'ai. Oui. C'est le seul. Donc ça m'en fait 1, plus les bâtiments que je sécurise. 1, 2, 3, et plus 1, parce que c'est ma capacité spéciale. Ça m'en fait 4. Donc j'ai 4 de power, ce qui n'est pas énorme. C'est pas énorme, mais c'est parti quand même pour du combat de kaiju potentiellement. Bah c'est ça. Et là... C'est là qu'on rigole. Et c'est là qu'on rigole. Bah, j'ai envie de te balancer sur ces deux bâtiments. Mais je le comprends. Le... Ouais, j'ai envie de te balancer sur ces deux bâtiments. C'est ce que je vais essayer de faire. Écoute, je vais faire mon déplacement d'abord en high mobility. Donc je peux traverser ce que je veux. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça. L'orientation dans ce jeu n'a pas d'importance. Donc on prend toujours le côté qui est compatible. Donc là, j'ai fait mes 6 de déplacement. J'ai fait un bond avec mes réacteurs et j'ai atterri ici. Maintenant, je peux faire du stepping. Et c'est ce que je vais faire. Je vais faire un stepping de 1. Et de 2, j'arrive derrière toi. Par contre, avec 4 dés, tu ne pourras pas me mettre sur les deux, car le throw que tu vas me faire, donc, c'est suivant le nombre de dés rouges que tu as. Mais c'est pas grave. Maintenant, t'es venu là, en fait. C'est vrai que tu as raison, j'avais pas vu ça. Je n'ai rien dit. 1, 2, 3, 4, il a fait exprès. Ouh, le vilain. Envoie-moi là-dessus. Non, mais je vais peut-être pas faire du coup un throw. Je vais peut-être... C'est ce qu'on appelle du rollback. Non, mais là, je suis d'accord, je suis d'accord. Je n'ai pas encore dit mon attaque. J'étais je suis là, je peux t'agripper et te claquer contre l'autre, ce qui offre un petit avantage. Ce qui est possible, c'est que je t'ai dit ça dans ce but. Mais après, voilà, là, on est sur... C'est du meta level, là, c'est autre chose. Qu'est-ce que j'ai le plus intérêt à faire? Moi, si tu me demandes, rien. Je sais que... Non, je voulais faire d'abord un lancer, le lancer, mais je ne peux te lancer que jusque-là. Je m'en serais rendu compte, hein, quand même, en regardant, en faisant un 2, 3, 4, je m'en serais rendu compte. Mais, effectivement, c'est plus intéressant de te mettre là, je pense. On est d'accord. Surtout que je peux encore faire du stepping après. Donc, je vais faire une attaque de monstre. Je dois donc investir minimum un dé blanc et un dé rouge. J'ai automatiquement, pour mon attaque de puissance, j'ai automatiquement 4 dés bonus. Et le reste, bah, je peux rajouter jusqu'à 4 dés blancs. Ce que je vais faire, parce que là, il faut quand même m'assurer. J'ai une défense de 8 et 8. Hein. Ouais. Je vais lancer mes 3 dés rouges également. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4... 4 x 8, 32, 4, 5, 6, 7. Normalement, je dois passer ta défense. Je suis même pas obligé de lancer tous ces dés blancs. Ben, oui. 1, 2, 3, 4. 4 x 8, 32, 5, 6, 7. Non, je suis pas obligé. Je vais en lancer 2 de moins. Je vais lancer 3 dés blancs. Il faut que je fasse 8. Bon, c'est bien parti. Je fais 9. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est là que le spectacle commence. Donc là, tu prends un point parce que mon attaque est passée. Exact. Et ensuite, je t'attrape et je te flanque contre ce bâtiment-là. Donc tu prends un deuxième point.
Et comme il est en flamme, tu te prends un troisième point. Donc tu perds encore 2 points. Tout va bien. Voilà. On est là pour ça. Et maintenant, il me reste des dés si je veux m'éloigner. J'ai peut-être intérêt à m'éloigner. Il y a tellement de bâtiments ici que... Je pourrais. Alors, excuse-moi. J'ai Riot. J'ai pris un dommage. Tu viens de prendre un dommage. Tu viens de prendre un nouveau dé. Alors, je précise que si j'avais raté mon jet, j'avais droit à une relance parce que je sécurise ma garde. Et j'aurais pu dépenser un dé blanc pour relancer. Ça, c'est ma capacité, la capacité de ce bâtiment. Ah, j'ai cassé un bâtiment. Eh oui, donc tu gagnes... Je gagne 2 dés de power. Bon, maintenant... En fait, j'ai cassé un bâtiment. Oui. Mais en fait, c'est un bâtiment qui est cassé à la suite d'une attaque. Et maintenant, il faut que je peux me déplacer si j'estime qu'il y a un endroit plus intéressant. Parce que ça, il faut penser aux contre-attaques. Mais... Il y a tellement de bâtiments, là. Je vais me déplacer déjà de 1, je pense. Voilà. 1. Ah non, je vais faire plutôt un comme ça, voilà. D'accord. Bon là, il y a celui-là, je pourrais pas l'éviter. Je vais pas être quand même lancé dans celui-là. Je peux être lancé dans un bâtiment, c'est mieux quand même. Ouais, je comprends. Voilà, donc ça me fait dépenser un seul dé. Maintenant, ah mais non. Attends, à ton prochain tour, tu vas jouer... Ah non, tu peux jouer un monstre, hein, dépenser un. Ouais. Si tu pouvais pas, j'aurais même pas bougé, puisque... Tu pourrais me garder des dés de monstre pour avoir une attaque plus forte au prochain tour, mais tu peux jouer le monstre, donc il faut quand même que je fasse attention. Ouais. Écoute, j'ai terminé, c'est à toi. Est-ce que tu vas faire une phase d'unité ? Est-ce que tu vas faire une phase de monstre ? Ben là, normalement, je serais tenté de faire une phase d'unité. Mais j'ai envie d'un peu de spectacle. Donc, je vais activer le monstre et je vais essayer quelque chose. J'ai qu'un seul dé d'action. Mais on va voir. Je vais déjà faire la phase de power-up. C'est-à-dire la montée en puissance. La montée en puissance. Alors, ici, j'ai une zone... Ouais, de puissance. De puissance politique, ici aussi. Donc tu gagnes 2 dés rouges. J'ai 2 dés rouges. Ça m'en fait... Parce que toi, tu sécurises pas les bâtiments, tu t'en fous de ça. C'est pas... Je sais même pas ce que ça veut dire. D'accord. Ok. Donc, j'ai cela, et je vais essayer une action spéciale des monstres. Qui est Rampage. Ah, et on est là pour ça, mon ami. On est là pour ça. Si tu fais un Rampage, tu ne peux pas te déplacer avant. Et je ne me déplace pas. Tu ne te déplaces pas. Puisque je peux faire un Rampage de 6, puisque j'ai 6 en speed, ce qui m'amène ici. Donc le Rampage, c'est le monstre part tout droit, et il écrase tout ce qu'il a sur sa route, si l'attaque dépasse la défense de tout ce qui est sur la route. On va essayer. Alors... Je précise que mes exo-armors bénéficient de la couverture de... Ah mais non, la couverture, ce n'est que... ça ne marche pas contre les power attacks. Non. Ça ne marche que contre les attaques de tir. Exactement. Donc, ils ont leur défense de base. En revanche, ma garde defense base, elle a 7 de défense. Ouais. Donc, elle est très résistante. Mais bon, j'ai quand même un peu peur. Il faut essayer. Ce que je vais faire... C'est vrai que ça m'embête que tu me casses tout de suite mon... Attends. Il n'y est pas. Mais si ça le fait, ça peut être rigolo. Ça te fera peut-être pas forcément rire, mais... Pas trop, non. Mais ceux qui nous regardent, peut-être. Donc... Alors du coup, un des blancs nécessairement pour les attaques de puissance des monstres, enfin de Gorgatroir, c'est 4 dés de bonus. Et puis, t'as 7 de défense. Donc il faut que j'envoie un peu, j'essaye de mettre le plus de dés rouges possible. Peut-être pas tout prendre, mais en même temps, écoute, on est là pour le fun. Je mets tout, on est là pour ça. Bon, bah, après, alors n'oublie pas ton dé blanc. Excellent, ouais. Allez, ok, il balance tout, tu balances la totale, allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là c'est parti pour le grand jeu. T'as fait 8 ? Ouais. 8. Alors 8 de défense, tu vas me péter. Ça donc, tu me pètes mon élite. Ça fait 1. Tu me pètes cet exo-armor. Ça fait 2 points de power. Tu me pètes mon avion. Ça fait 3 points de power. Et malheureusement, tu me pètes ma défense. Elle est incombustible, donc ça devient une ruine en dessous. Ce qui fait que je ne prends pas de dégâts. En plus.
Et j'ai dépensé 6 rouges parce que je savais que je pourrais gagner 6 rouges. Ce qui fait que j'ai pas bougé. Tu en as gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec la destruction du bâtiment. Et il est bien incombustible. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Et là, c'est tu rigolo, peux... à vous. Non, je trouve pas ça drôle. Eh ben, tu vois, t'as pas d'humour. C'est ça tout. M'embête beaucoup parce que je vais pas avoir beaucoup de power. Et moi, c'était un bâtiment qui était dangereux pour moi. Donc, j'ai pris le pari de le détruire, en fait. Ouais. Et je suis là pour ça, à vous. Oui, bien sûr. Donc, tu as joué. Je suis dans mon rôle. Hein. Beaucoup plus agressif que dans les précédentes parties que nous avons joué ensemble. Ah, bah oui, mais c'est ça. Ok, et moi j'ai joué plus défensif que ce que je fais habituellement. Ce qui peut-être risque de me poser un problème. En même temps, Defender X. Ouais, tu vois, c'est ça. Tout était. Non, on joue plus fluffy que d'habitude. C'est ça. Maintenant, on va voir comment ça va se terminer. Bien, eh ben, écoute, là, j'ai le choix moi aussi entre faire. C'est parce que c'est à moi, hein. Ouais. Entre faire une phase de monstre, puisqu'il me reste des dés dans ma zone de monstre, ou une phase d'unité. Je pense que je vais faire une phase de monstre. Eh ben, viens de. Si c'est ça, je vais avoir combien en power-up ? Je vais en avoir 1. 2, 3, 3 dés. Donc je serai à 5 dés. Est-ce que tu as un endroit vraiment où je peux t'envoyer ? Mais j'ai pas beaucoup de dés. Je suis pas certain d'y arriver. Avec 5 ? C'est 5 la défense. C'est non, 7. Non. Ah oui, c'est vrai. C'est 8 même. C'est 8. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que je peux y arriver avec 3 dés blancs, 2 dés rouges et 4 dés bleus ? C'est chaud là. Hein. C'est pas ça. Ah non, j'aurais plus que ça. J'aurais 5 dés rouges. 2, 3, 4, 5. 5, ça fait 5 en moyenne. Plus les 4 dés bleus. Plus mes 3 dés blancs, ça devrait suffire. Allez, je vais tenter. De toute façon, on est là pour le spectacle. Donc, j'ai compté. Je me déplace de 6. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux arriver ici. Ça ne suffit pas parce que je ne peux pas me poser à moitié sur un bâtiment. Donc, je vais faire un stepping de 1. Ok. Pour me placer ici. D'accord. Et ensuite, je fais mon déplacement en high mobility, donc avec mon jump pack. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'atterris juste en face de toi. Je me mets comme ça parce que je vais essayer de t'agripper et de te flanquer sur ce bâtiment-là. Ça fait deux fois que je te prends. Ouais. Je te retourne et je te plaque contre moi. On danse un peu. Allez, c'est parti. Alors, j'ai oublié de faire ma phase de power-up. 1, hein. 2, puisque je le sécurise. Donc, 1 avec le power, 2, je le sécurise. 3, parce que c'est ma capacité spéciale. Donc, j'ai 3 dés rouges. Je gagne 3 dés rouges pendant ma montée en puissance. J'ai donc 5 dés rouges et voilà les dés qui me restent. Donc, je vais faire mon attaque spéciale. Je dois investir un dés rouge et un dés blanc, forcément, pour faire une power-attaque. Je bénéficie de mes 4 dés bleus. Je vais les mettre ici. Et ensuite, je peux rajouter tout le power et tous les dés que je veux en blanc. Je peux aller jusqu'à 5 en power. Donc je vais mettre déjà ces 3 dés-là. Je pense que je vais mettre ceux-là. Il faut absolument que je réussisse cette attaque. Donc théoriquement, là, ça doit faire à peu près 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça devrait suffire. Là, tu ne feras pas de phase de monstre au prochain tour. Hein. Non. C'est déjà ça. Je pense que c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Joli. Chaque fois, c'est pas énormément, mais ça suffit. Donc, tu te prends 1. Et 2. Et ensuite, 2, parce que tu rentres dans le bâtiment et tu te retrouves sur une ruine enflammée. Et donc, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Je dirais pas jusque-là, mais... Puisque là, ça me... passe en hyperforme. Non, déjà là ? Déjà, ouais. Ça va vite, hein. Donc, l'hyperforme qui apparaît quand on a pris pas mal de dommages dans la tête, clairement. Et on voit la... Ce qui est intéressant, c'est que, en revanche, ça offre de nouvelles capacités. Mmh. Désormais, j'ai Annihilate qui permet de faire super damage. Donc, tes attaques de base, au lieu de me faire une blessure, elles m'en feront deux, c'est ça ? Et maintenant, il offre la capacité aux autres, aux alliés, d'avoir Ride. Ride, c'était super dommage. Ils sont vénères aussi. Ils sont vénères. Ride, c'était le vénère. Donc, en fait, chaque fois que je détruis un de tes petits bonhommes, ouais, t'es vénère et tu gagnes également, ouais, un point de power.
Salvez. Donc tu vas être encore plus de power et maintenant tes attaques vont faire vraiment très mal, ce qui peut te permettre de rattraper ton retard. Voilà, donc je suis content, je ne peux plus faire quoi que ce soit puisque je ne peux pas faire de stepping, j'ai plus de dés en monstre, j'ai tout mis dans cette attaque. Donc je déplace, ces dés-là, ils vont dans ma phase d'unité, donc forcément le prochain tour ce sera une phase d'unité. Ces dés de power, je ne les ai plus, ils retournent dans ma réserve. Voilà, dans ma réserve de dés. Et ces dés bleus retournent également dans la réserve de dés. Ce sont les dés bonus, voilà. Donc c'est à... j'ai terminé, c'est à toi, et c'est forcément une phase d'unité. Exactement. Alors, que vas-tu faire ? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je peux faire pour t'embêter un petit peu ? Alors ici, j'ai la possibilité de recruter sur des postes un petit peu avancés. Mm-hmm. C'est plutôt dans mon côté de la ville que ça se détruit, hein, je vois. T'as remarqué ? Oui. Donc je vois ce que je peux recruter d'intéressant. Donc, eux bénéficient de cover, ce qui les monte à 4 en défense et 5. Ouais. Donc c'est sacrément costaud. Je ne vais pas pouvoir embêter ton monstre. Ouais, parce que je suis quand même assez reculé, je suis vraiment dans, ouais, dans mon coin. Alors, je vais sortir une unité Scorcher, ici. Ouais. Je peux vraiment popper vraiment très près de chez moi. Ça va me laisser quelques dés pour espérer faire des choses pas trop trop inintéressantes. Je vais sortir un champion de base. De base, pas une élite, hein ? Non. D'accord. Alors, moi je voudrais essayer de potentiellement détruire ce bâtiment. Lequel ? Celui-ci. Ah ouais. L'idéal serait de le détruire avec lui, mais je n'ai pas la distance. Et du coup, je ne vais pas forcément avoir beaucoup de dés pour le faire. Il a une portée de 4. Il a une portée de 4, ouais. Je vise ce bâtiment là. Okay. Parce qu'en fait, j'aurais voulu essayer de bénéficier de l'effet de ce bâtiment. 1, 2, 3, 4, 5 potentiellement. Il se déplace de 5. Lui, se déplace de 5. Oui. Ok. La rigueur peut venir ici. Ce sera déjà ça. 1. Imagine 5. J'essaie de faire une attaque combinée. Tu étais où là ? T'étais là ? Oui. Ou tu étais pas là ? Je sais pas. Oui, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a pas deux diagonales là dans les déplacements. Non, tout à fait. Donc lui pourra pas participer. Il fera que le 2 dés bleus, c'est un petit peu chaud quand même. Par contre, tu peux lancer beaucoup de dés blancs. C'est ça. Non. Pas comme ça. 3. Pour une défense de 4. Et lui, je peux toujours le mettre ici. Oui. Pourquoi pas. Et lui, je vais le mettre ici. Je passe de combien ? 1, 2, 3, 4. Ouais. Ok. Tu as fini tes mouvements ? Ben oui, écoute. Donc, le mouvement est terminé, maintenant c'est la phase d'attaque. Alors, pour cette phase d'attaque, je vais essayer de passer la défense du building, hein, pour essayer quoi. Alors, attaque combinée de tir, qui y participe ? Bah, en fait, il n'y a que ces deux-là, puisque ici j'ai un range de 3. Un, deux, que... tu n'y es pas. Non. Et lui, il y est. Donc, il n'y a que. C'est l'exterminatrix, c'est ça ? Ouais, exactement. Plus le Scorcher. Exactement. Elite, non ? Non, c'est pas le Elite. Non, c'est pas le Elite. C'est pas le Elite, il a la flamme verte. Donc, c'est pas le Elite. Donc, tu as deux unités qui participent. Donc, tu es obligé de mettre au moins 2 dés blancs. Et au maximum, tu peux mettre combien de dés blancs ? 4. 4. Donc, tu mets les 4 dés blancs. Je peux mettre 5 dés blancs. Parce que j'ai 3 et 2. 3 et 2. Ce que je veux faire. L'exterminatrix peut avoir 3 dés blancs, effectivement. Ouais, tout à fait. Donc 3 et 2. 2 dés bleus. Et tu as 2 dés bleus, puisqu'ils ont 1, 2 et 0. Ouais, effectivement. Ouais, j'ai pas de bonus. Non, donc, est-ce que tu diminues ? Non, tu fais pas. Est-ce que tu fais baisser la défense ? Par l'exterminatrix. L'exterminatrix, c'est pas, il faut pas qu'elle soit à 2 de cases, hein. C'est lorsqu'elle fait son attaque. Ça, c'est la destructomite. Va réduire la défense. D'accord. Quand elle est à 2, mais... Et elle a une capacité qui permet... Ouais. Donc tu ne dois faire que 4. C'est quand même jouable. C'est... Ouais. J'ai ton avalage. Non, mais je te le dis sincèrement, je pense que
Mais là, tu vas le détruire. Vas-y. Je crois que c'était un mauvais pronostic. Tout autant qu'un mauvais jet de dés. Alors, ok. Bon, ça va. Ça se passe. En plus, je l'ai dit avec sincérité, hein. Mais bon. Ça, c'est bien, mais moi, je te crois. Je crois que ça n'a pas marché. Eh oui. Et lui, et tu peux pas relancer tes dés quand tu as raté. Ben non, en plus, là, pour le coup. Il est détruit. Moi non plus, c'est ça que tu veux dire. Mais voilà, c'est ça. Là, maintenant, c'est fini. Cette règle-là, on l'oublie. On l'oublie. Okay. Est-ce que je fais du push parce que c'est possible? Tu peux faire du push, ouais. De tes unités vers le monstre, parce que ouais. Tu voudras faire une attaque de monstre derrière. Moi, je fais une attaque de monstre, certainement. Alors, t'as peut-être intérêt à pusher. C'est pas faux. Écoute, je vais laisser, hein, ça me laissera toujours cette opportunité, c'est pour jamais. Non, écoute, un moment. Voilà. À toi. Là, j'ai fait le push. Bien! Yeah. Tu as fait ton push, tu as tout pushé. Ouais. Donc, prochain tour, tu vas activer ton monstre. Ouais. Et moi, là, je suis obligé d'activer mes unités. Ouais. Ok. Eh bien, je vais activer, essayer d'activer des unités. Alors, je pourrais m'occuper de tes petites merdes ou je pourrais essayer de continuer à blesser ton monstre, qui est à 5. Comme tu... J'ai toujours mon tank, il peut lancer jusqu'à 4 dés. Donc, si je le fais attaquer, et il a une portée... De 3, donc je suis à portée ici, donc ça c'est bien. Hop, coucou. Portée de 3, lui il lance déjà 4 dés plus 3 dés bleus. Donc Rocket Chopper, il faut que je sois à 2 de défense, donc je vais faire popper des trucs, ça c'est sûr. Ouais. Mes avions, il faut me faire une blast attaque, mes avions ils ont une portée de 3, donc là 1, 2, 3, à l'arrêt. Je vais faire popper un avion élite. Ouais. Ici et un avion normal. La poupée ici. Donc là, j'ai quand même. Je peux faire une attaque avec 3 unités. Ouais, je vais quand même aller me prendre un petit truc là. Je vais manquer de power à force. Hein. Allez, tu les prends tous. Hein. Tu les occupes tous. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, je peux aller attaquer celui-là éventuellement. Il a une power. Hein. Ouais, tout à fait. Si j'ai assez de dés, ouais. Parce que là, il faut que je m'écarte un des dés. Je vais peut-être faire popper un avion. Ah, attends, là. J'y arrive pas, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, qu'ils sont quand même vachement dominants pour le coup. 1, 2, 3, 4. Ah, je peux aller là. Je peux aller sur la zone négative. Ou alors, tiens, je peux peut-être aller avec celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je vais faire ça. Donc, ouais. Il me faudrait peut-être un avion supplémentaire, à moins que avec ces trois-là, ça suffise. Mais je pense que c'est toujours mieux, même plus. Je vais faire à popper un dernier avion. Je vais le mettre ici. Maintenant, je vais faire mes déplacements. Alors, celui-là, on a dit, il allait prendre la zone de power qui est là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Ensuite, je vais faire déplacer lui. Bah, lui, il va faire... On va aller voir mon 1, 2, 3, 4, 5. Bon, si je peux. Il a combien de défense, ton Scorcher? Il a 50. Ah, quand même. Oui, c'est plutôt balèze. Non, il a 2. C'est moins bien. Ah oui, c'est moins bien. Oui. C'est pas foufou, mais bon. Ensuite, lui va faire 1, 2, 3, 4. Ouais. Pour réduire... la défense. La défense et participer aussi à une attaque à distance. Bien sûr. Et ensuite, je vais faire... je vais déplacer cet avion. Je vais le mettre... ici. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais le mettre là. D'accord. Ouais, non, on remarque que ça on, fait... On est bien là. Ouais, mais ça fait... Ouais, ça fait... Ouais, mais là, tu peux faire un... Lui, je vais le mettre là. Plutôt. Je n'étais pas à un point près. Ouais. J'ai pas trop envie que tu me fasses un... Allez, je vais mettre... Rampage. Ouais. Un rampaging. Du coup, lui, je vais faire... 1, 2, 3. Je le sécurise toujours, mais je suis un peu plus éparpillé. Ok. Ils sont tous à portée, et voilà. Et là, maintenant, je vais faire mes attaques en commençant par cette attaque. Donc, c'est une attaque combinée.
de mes avions, de mon hélicoptère et de mon tank. Une attaque à distance. Okay. Donc je suis à portée. Hein, je suis à portée pour tous. Ils ont 3 de portée. Je suis à portée de ton monstre. Okay. Je fais participer 4 unités. Donc lui, mon hélicoptère fait baisser ta défense. Ouais. Tu passes de... Alors maintenant, tu as combien de défense? J'étais à 9. Tu passes de 9 à 8. Ouais. Ah oui, c'est plus dur à toucher. Hein. Ouais, tu passes de 9 à 8, donc j'en ai 4. Et c'est pas facile de toucher. Donc j'en ai 4, je suis obligé de mettre 4 dés minimum. Ensuite, bah, je vais mettre... je vais mettre tous les dés. Hein. Je vais mettre... Mon tank peut aller jusqu'à 4 dés. Ok. Voilà. Ensuite, je vais rajouter tous mes dés de bonus. Donc, mon tank a 2 plus 2 parce que il attaque une créature gigantesque. Enfin, ta créature, en fait, ton monstre. Donc, ça me fait déjà 4. Ensuite, mon avion d'élite. Avion d'élite, il a 2. Je le prends. Il est à portée. Il est à 2 cases de l'autre avion qui n'est pas d'élite, qui a 2 de base, donc plus 1, ça lui en fait 3. Ok. Voilà, c'est... Non, mais attends. ne me fais pas de pronostic, j'ai vu ce que ça donnait tout à l'heure. Et enfin, mon hélicoptère, il a 1. T'as rajouté 3 déjà, t'as rajouté 4. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, tiens, tu vois, je crois que j'en ai pas assez, il m'en faut 1. Un de plus. Allez, c'est cadeau. Bah, vas-y. Ouais. Alors, on recompte, hein, si tu veux. Non, c'est cool. Je crois que c'est ça, hein. 1, 2, 3. 3 pour mon tank. Ouais. Non, mais c'est bon, moi. Je suis avec toi. C'est ça, hein. C'est bien, il en rajoute bien 2. Ouais, il en gagne bien 2. Le blast. Ah oui, attends, j'ai mis brawl, peut-être. Peut-être que je me suis trompé. C'est blast. 1, 2, 3. Donc, il en a 3. Ouais. Ensuite, je me suis peut-être trompé. Ensuite, mon élite, mon avion d'élite, il en a 2 de base. Ouais. L'avion qu'il commande, il va en avoir 3. Ok. Et le chopper, il en a qu'un. Je serais trompé de 2. Ouais, parce que tu as pris 4 dés tout à l'heure quand tu as dit 3. Ah, d'accord. Et en plus, j'étais parti sur gros. Voilà. Et ça, ceux-là, on est sûr que c'est ça. Donc voilà. Donc je lance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 des bleus. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 des blancs. Et il faut que je fasse une attaque 8 sur ton monstre. Ouais. Ah, je crois que ça passe pas. Non, là, ça passe pas. Pourtant, c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne passe pas. Bah, pourtant, là. Il n'y a pas que pour une fois. Voilà. On va alors, si j'avais ma relance. Eh oui, mais. Mais est-ce que tu as ta relance, Léo? Je n'ai pas ma relance. Aïe. Donc tout ça pour rien. Tout ça pour ça. Tous ces calculs. Ouais. J'ai pas assez mélangé mes dés. Je pense que si j'avais mieux fait rouler mes dés, ça marche. Ouais. Ah, donc c'est à toi, David. C'est une phase de monstre. Je confirme pour les jets de dés pourris qui restent. Sur ce qui s'est passé avant. Donc, je vais activer mon monstre. C'est mon premier jet de dé vraiment pourri. Ouais, franchement, ça va. Je te plains pas du tout. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire une phase de monstre. J'ai pas le choix. Alors, power up. Donc, j'ai 2 power zones. Ouais, donc, ça t'en fait 2. C'est tout. Ouais. Ça me fait 8 dés de puissance. Ça va suffire. Je vais venir ici et on va danser un peu. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais te lancer. Je m'en doutais. Et je vais me lancer ici. Ici. Alors, pour le throw, c'est le nombre de dés de puissance qu'on va utiliser qui va déterminer la distance. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un minima ce que je dois mettre. Et là, j'arriverai si je veux t'envoyer ici. Ouais. Voilà. Donc, il faut déjà un dé blanc. Ça, c'est le minimum. Il faut déjà. Ensuite, 5 dés, ça a monté. Hein. C'est carac. 5 dés de boost. Ouais. Et puis, bah, comme je disais, si je veux te lancer là, il faut un minima 5 dés. Ce qui me ferait. Je dois passer 8. Pour l'instant, je fais des jets de dés qui sont pas. Ouf. J'ai 8 de défense. Alors, s'il te plaît, tu retires un des bleus parce que tu es à moins de 2 cases. Ça me plaît pas, mais. Bon. C'est mon pouvoir de disruption. On en a parlé au début. Tu n'as pas 5 dés de boost, mais uniquement 4. C'est vrai. Donc ça me ferait du 2-4, si on raisonne en moyenne, rapide. Et ici, j'ai 5. Non, pas 8. Ouais. Ici, j'ai mon dé blanc. En fait, avec le recul, je me rends compte que j'aurais mieux fait
de sécuriser un maximum de bâtiments. Parce que là, ma prochaine phase de monstre, je vais pas en avoir beaucoup. Alors, est-ce que tu as décidé d'aider que tu lançais ? C'est bon ? Que tu investissais ? Par là-dessus ? Ouais. Faut vraiment que je passe le truc, là. Ouais. Toi, t'es confiant. Oui. T'étais... Je t'annonce que tu vas le passer. T'étais confiant tout à l'heure. Non ? Tout à l'heure aussi. Allez. N'oublie pas que c'est là hein, qu'on lance. Hein. Ouais. Mais écoute, je vais en reprendre un quand même. Parce que moi, j'ai pas confiance. Ah, si, c'est bon, je pense. Ça en était à 1. 9, 10. C'était quand même. Ok, tu as passé. Alors, tu as combien de dés rouges ? Moi, j'en ai. T'en as suffisamment. Tu me lances où alors ? Eh bien, écoute, je vais te lancer ici ton cafard pour avoir une zone de recrutement. Donc là maintenant on va voir les dégâts que je me prends. Je me prends 2 de ta super attaque, puisque maintenant tu fais plus 1 mais 2 de dégâts. Tout à fait. 3 parce que je percute le bâtiment, 4 parce que je me retrouve sous la ruine en retard. Donc je prends 4 points de dégâts. Je suis à 11, 7. Je suis plus qu'à 7 points de vie et toi tu es à 5, donc on est nettement plus proche. Et je suis toujours pas moi en hyper forme. Non. Maintenant est-ce que tu veux faire du stepping ? Est-ce que ça présente un intérêt ? Je pensais le faire, mais je suis en train de me demander si ça vaut bien le coup. Donc toi, tu n'auras pas ou peu de power. J'aurais que un dé de power. Exactement. Ouais, donc tu peux pas te lancer comme je le ferais actuellement. Donc, ouais. Écoute, j'ai pas particulièrement intérêt. J'avais une possibilité de repli, mais j'ai pas vraiment intérêt en fait. Tu bouges pas ? Je vais pas bouger. Prochain truc, ça va être. Je reprends les deux. Ouais. Ah oui, tu n'as pas utilisé. Oui, tu peux refaire une phase de monstre au prochain tour, hein, si tu veux. Je pourrais. Ok. Donc c'est à moi. Je fais forcément une phase de monstre. Donc en power, en montée en puissance, je n'ai que un malheureux dé de power. Alors, excuse-moi, j'ai juste oublié quelque chose. C'est que j'ai détruit un bâtiment. Et moi. Ça t'en donne 3. Ça m'en donne 3. Ok. Ah oui, toi t'es bien. Tu n'auras pas de problème de power, mais moi j'en ai maintenant. Il me reste quand même. Juste quelques secondes pour la phase de push. Ici, ah j'aurais oui, ça, si je veux pouvoir popper quand même. J'hésite à en mettre un de l'autre côté. Je vais rester comme ça. Donc c'est à moi. J'ai fait ma phase de power. Je n'ai qu'un seul power. Donc je ne peux pas faire grand-chose. Ce que je pourrais faire des attaques de blast normales en lançant des dés blancs et des dés bleus. Mais on a vu que même en en lançant beaucoup, ouais, ça fait... Là, maintenant, t'as 9 hein, de... J'ai 9 de défense. T'as 9 de défense. Donc... Ou alors, je fais un petit repli stratégique et j'essaie de gagner du power et de... Je crois que c'est ce que je vais faire. Je n'ai que 1 de power, c'est vraiment pas suffisant. Je vais faire... 1... 2... 3... Je vais faire une attaque en blast contre ce bâtiment. D'accord. Pour essayer de gagner un peu de power... Et pour éviter de me faire fracasser dessus, donc ouais. Ça me fait toujours c'est ça. C'est sûr que si tu restes là. Ouais. Et là, je suis dans un endroit qui n'est pas trop mal. Donc, je vais faire une attaque, je vais balancer des dégâts sur. Une attaque à distance sur ce bâtiment. Donc, je peux investir jusqu'à 7 dés blancs, avec le maximum de ce que je peux mettre. 6, 7. J'ai automatiquement 4 dés bleus. Je peux mettre des rouges si je veux, mais j'espère que ça devrait suffire. Oui, pour un bâtiment. Pour un bâtiment, ça devrait. Ouais. Maintenant, tout est possible. Quand on ne met pas les dés rouges, on a vu que. Ah oui, j'ai vu. Il y a quand même des risques que ça passe pas. Donc il faut que je fasse 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Ça passe. Donc je détruis ce bâtiment. Hop. Voilà. Je gagne donc 2 de power. Donc je serai un petit peu meilleur pour le prochain tour. Et maintenant, on pourrait encore faire du... Ah, j'aurais pu faire du stepping. J'aurais pu me déplacer plus. Et Ah ouais, non. Si je fais du stepping, je vais me prendre un dégât. C'est pas bon. Bon, je suis peut-être pas si mal, en fait, ici. Je reste là. C'est à toi. Maintenant, tu récupères tes... Je récupère mes dés, tu as raison. Donc, ah oui. Oui, parce que je vais... reste là. Donc tous ces dés-là vont dans la phase d'unité. Maintenant, il me reste éventuellement... 3 dés de monstre.
si j'ai besoin de refaire une phase de manche, ça peut toujours servir. Là, c'est à toi, oui, donc il faut que je vois si je garde ces 3 dés pour mon monstre ou si je les mets pour mon unité. Toi, tu as quoi? Tu as beaucoup de dés de monstre, tu as que 4 dés d'unité. J'ai que 4 dés. Non. Plein de cylindres. Tu as 4 dés dans ta zone d'unité. Donc, oui, si tu fais une phase d'unité, tu vas pas faire grand-chose. Tu as plus de chances de faire une phase de monstre. Donc, je vais garder mes dés comme ça. Mais tu as 7 points de vie pour moi, 5 pour Gorgadra. Ouais, tout à fait. Alors, moi, j'ai plusieurs choses possibles. À savoir, soit venir ici et te faire un body slam ici. Ouais. C'est une possibilité. Ce qui te ferait 3 dégâts si j'y arrivais. Je peux aussi te pousser là, souvent. Et puis je peux activer les unités aussi. J'ai fait 3 dégâts, ça t'amène à 4. Ouais, vous voyez, même si je fais un meilleur démarrage que lui, on peut revenir dans ce jeu, hein, c'est clair. Écoute, on va essayer quand même de regarder toi. Hein. Allez. Il faut que j'essaie de t'abîmer un petit peu. Donc pour venir, 1, 2, 3. Oui. 4. 5. 6. Casting de 1. Tu veux combien de points toi? Je me permets d'être ici. Ah, excuse-moi, j'ai oublié quelque chose, c'est que j'ai la phase de power up. Pardon. Vas-y, fais-la. Parce que j'ai ici et toujours ici. 2. Et puis donc. 3 même. Oui, tout à fait, je possède ce. T'as vu un peu, hein? Merci, t'es gentil. 1, 2 power, plus tu sécurises ce bâtiment-là. Exactement. Et c'est le seul que tu sécurises. Alors, que fais-tu? Quelle attaque fais-tu? Est-ce que tu fais un lancer ou est-ce que tu fais... Un body slam, ouais. Un body slam. Est-ce que tu me projettes sur ça ou est-ce que tu m'attrapes et que tu me déposes à côté de toi ou derrière toi? Tu peux faire aussi le body slam comme ça. Un catcher main suplex, quoi. Ce qui n'aurait aucun intérêt. Si, c'est bon. Tu me pro... Ah oui! Ah, pour la beauté du geste. Oui. Ah oui, bah là, si tu me prends par les sentiments, je vais... Tu vas pas le faire quand même. Mais je vais pas le faire quand même, non. Alors Bah non. Bah écoute, on va faire simple. Encore, je vais essayer de tomber, là. D'accord, tu me fais un body slam, tu m'attrapes et tu me projettes oui. contre les ruines enflammées. Est-ce que ça te va? Oui, ça me va. Okay. Donc, j'ai 5 moins 1 dû à ta capacité. Oui. 5 dés bleus. Moins un 4. Ensuite, j'ai forcément un dé blanc. Et forcément un dé rouge. Mais il faut que j'essaie de passer ça quand même. T'as une défense de 8 toujours. On va mettre. Je vais remettre 6 dés en fait. Tu remets tout ça. Ouais. Ah ! J'avais oublié, j'en avais un deuxième de power ici. Et 1, 2, et pas qu'un seul. Faut pas oublier, faut tout faire vraiment dans l'ordre pour pas oublier. Phase de power, on regarde bien si on occupe des zones. Maintenant j'en occupe 2. Et on regarde bien si on sécurise des bâtiments, tu en sécurises un. Écoute, pour ce coup-ci, je vais mettre tout ça. Ok, vas-y. Alors, vas-y. Donc tu as mis pas mal de dés de power, tu as mis... Ah ouais, donc tu feras une phase d'unité derrière. Ouais. Ok, vas-y. Oui, c'est bon. Fais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est bon. Donc, tu me fais 2 dégâts. Donc, déjà, je passe à 6, 5. Et un troisième parce que tu me mets sur les flammes. Donc, je suis à 4. Voilà. Donc, moi aussi, je suis dans ma hyper-forme. Donc, il y a 2 règles spéciales qui sont rajoutées. D'abord, le Energy Cycle, le cycle d'énergie. C'est-à-dire que une fois que j'ai dépensé, si j'ai fait au moins, j'ai investi au moins 2 dés blancs, que j'ai réussi mon attaque, j'ai le droit, même si j'ai plus de dés dans ma zone de monstre, de recycler de l'énergie, de remettre un dé dans cette réserve, ce qui me permettra d'enchaîner des phases de monstres, même si, voilà. D'accord. Mais il faut que j'ai investi au moins 2 dés blancs, donc je ne peux pas le faire tout le temps. Voilà, ça c'est la première règle. Et la deuxième règle, c'est beatback, c'est-à-dire que lorsque je fais des attaques à distance, si je te touche, je te projette de 2 cases dans n'importe quelle direction en ligne droite. Donc ça veut dire que si ça provoque des collisions, tu te prends des dégâts. Voilà, ce sont les 2 règles spéciales que j'ai en plus. Moi, je n'ai pas de super attaques qui font plus de dégâts dans mon hyper-forme, mais
j'ai toujours ma mobilité et cette possibilité de réattaquer. Voilà. Ma défense est à 8, je crois que c'était. C'était 8. Ça n'a pas toi, changé. Je n'ai ouais, pas changé. Bon, et ben c'est parti. Je vais soit faire une phase de monstre, soit une phase d'unité. Et là, je pense que je vais peut-être faire une phase de monstre. Hein. Si je fais une phase de monstre, j'aurai 6 dés, donc je peux quand même te projeter à 6 cases. 1, 2, 3. Ça vaut peut-être le coup, là. Oui, parce que ça me ferait 3 quand même. Ça te ferait 3, et puis tu sécurises plus ce bâtiment, t'as plus beaucoup de power. Donc je vais faire ça. Je vais faire une phase de monstre. Donc là, cette fois-ci, on ne se trompe pas. J'ai bien un dé de puissance ici. Alors je précise que dans la version finale des règles du jeu, il y aura un glow, un halo qui permettra justement. De pas manquer des cases parce que elles sont recouvertes. Donc j'ai un ici, ça m'en fait deux. J'ai deux de power en plus, mais ça compte. Ah oui, carrément. Attends, je suis à 6, je suis moins à poil que tout à l'heure, où j'ai pas pu t'attaquer parce que ça valait pas le coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me placer. Il faut que je vois à quel endroit c'est le mieux. Je pense que c'est mieux que je vienne ici. Donc je vais faire. Avec mon déplacement normal 1, 2, je vais venir juste ici. Et je vais essayer de te lancer là-bas. Et je peux même essayer de te lancer ici. Donc, je dois investir minimum un dé rouge et un dé blanc. Ça, c'est le minimum. Dans mes power attack, j'ai 4. Maintenant, quand je suis en forme, en hyper forme, je peux aller jusqu'à 6 dés blancs, mais je n'en ai pas. Donc, je vais mettre les deux. Comme ça, j'ai une hyper forme. Si j'avais éventuellement besoin de recommencer, je pourrais le faire. Puisque j'ai investi plus de 2 dés blancs. Donc, ouais. j'ai mon énergie cycle qui peut marcher si mon attaque touche. Intéressant. Et ensuite, je vais investir les dés rouges. Donc, tu as une défense de combien, rappelle-moi? De 9. 9. Oula. Bah, je vais tout mettre. Là, je vais pas trop tergiverser. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça me fait 6 dés, ça me fait 6 en moyenne. Les 4 dés bleus, ça fait 3. Ça devrait passer. Ouais, c'est bon. Maintenant, on n'est pas à l'abri, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai lancé énormément de dés. Et j'ai fait un truc complètement pourri. Donc là, je vais bien faire rouler les dés. Et on va prier. Parce que là, si ça passe pas, je suis vraiment pas bien du tout. Ouais, je pense que là, ça passe. Ouais, ça passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bien joué. Donc là, je te fais déjà un dégât. 1, 2, 3. 3, et pas tu vas... Ouais, 3. Attends, est-ce que 2 petites secondes, je mets ça. 2, 3, et je choisis de t'envoyer ici, c'est-à-dire j'écrase également. 3. Donc là, ça commence à... Voilà. Alors, je te l'écrase. Donc, je l'ai gagné en power. Puisque j'ai détruit un bâtiment et j'ai détruit un ennemi, donc je gagne 3 points de power grâce à ça. Tout à fait. Et toi, moi, comme je t'ai blessé et que j'ai détruit un de tes ennemis, tu gagnes 2 de power. C'est ça. Les autres power vont dans ma réserve. Ça, ça va là. Donc il te reste combien de points de vie? Il me reste 2. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon Energy Cycle, ouais, puisque j'ai réussi, pour remettre un dé dans le monstre. On ne sait jamais, ça me laisse une option au prochain tour, si j'en ai besoin. C'est pas bête du tout. Et c'est donc à toi. Ah, la vie, elle commence à faire la gueule, hein. On s'est bien détruit, là. Pas dans ton côté, de ton côté, tout est propre. C'est clean, hein, clean, ouais. C'est vraiment dans... Ouais, ouais, je suis devenu... Ouais. Donc là, moi, c'est unité, direct. On annonce. Forcément, les unités. Que ouais. vont faire tes unités? Tu vas essayer d'activer ton monstre. Donc la seule chose que je peux essayer de faire pour l'instant, c'est de réduire les dés rouges que tu peux avoir. J'ai deux zones pour ça. Avec un qui a une défense de 4 et un qui a une défense de 1. C'est vrai. Les avions, alors, ils sont un peu squishy, il faut dire ce qu'il y a. Mais ils sont très rapides et ah oui, bien ils sûr. Tapent fort. Ouais. Mais attention, c'est pas une critique. Hein. Peut-être reste 2 points de vie. Hein. Ouais. Alors, je vais... spawner quand même. Pas besoin de spawner grand chose à vrai dire. Il faut quand même un truc qui tape un peu. Vous pourrez le faire si je détruis celui qui est là. Ce serait sa fonction. Ça peut plus essayer ça. Donc je vais spawn. Je vais recruter. Lui ici par exemple.
Il y a encore un peu de place ici. Ça peut être intéressant. Et, écoute, je spawn ici lui. Et je vais juste spawn un Scorcher. Ici. Ok. Ensuite, je vais avancer. Lui, je vais le mettre là. Ok. 2, 3. Elle est là. 1, 2, 3, oui. Tu fais aller ici, oui. 4, lui, pour aller là. Autant mettre les limites. Il se déplace de combien ? 5. 1, par exemple. Il y a voilà. Lui, pour imaginer qu'il est là. Ah, j'aurais peut-être dû essayer autre chose, je suis en train de penser. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a lui aussi qui est là. Qui pourrait venir. Ah. Attends, il est volant ? Si, si, ouais, il est volant. Donc tu peux aller sur le... Tu peux aller là. Ouais. Après, 1, 2, 3, 4. Ouais, ça peut être intéressant. Même et tu peux être sur un hasard parce que tu voles. Être sur une... On peut aller là. Ensuite, je vais essayer de le détruire, lui. Vas-y. Avec l'Explode Hawk, qui a 3 dés. Et il peut aller jusqu'à 6 dés, mais je vais en garder quand même pour là-bas. J'ai 4 unités. Donc je vais mettre 2 dés. D'accord. Je vais espérer que ça... Faut que tu fasses 1. Suffise. Faut faire 1. Il va disparaître aussi. Il va disparaître aussi. Il est là pour essayer de t'enlever... Alors, comment ça se passe d'ailleurs? Est-ce que ça comptera pour moi? Est-ce qu'il me donne un power ou pas? Est-ce que je te donne un power? C'est pas sûr. Tu vas perdre un... Non, parce non. qu'on replace dans la réserve. On le replace dans la réserve, il n'est ouais. pas détruit. Ouais. ouais. Replacé dans la réserve. D'accord. Ok. Move this unit to your unit. Ouais, c'est pas détruit. Ouais. Le mien repart ici, dans la réserve, sans te donner de dé. Tu gagnes un point de power. Ici. Et oui, parce que j'ai détruit ton monstre. Et puis ensuite, je vais faire une attaque combinée de ces quatre-là. D'accord. Celui-ci fait que tu as une... Enfin, il attaque. Et quand il attaque, tu as une défense. Réduite de 1. D'accord. Il a 2. J'ai regardé les boost dice, c'est les plus... Ça va y avoir un petit peu de calcul. Lui, il a 2. Elle a 2. Et puis ensuite, j'ai que des attaques de Scorchers. Parmi lesquelles, il y a une unité d'élite qui est ici et qui va faire bénéficier celle-ci, qui a 2, d'un bonus. L'unité d'élite, elle a 2. D'un bonus. Et puis, elle fait donc bénéficier d'un dé, celle-ci. On va mettre tous les dés blancs. Et j'ai oublié celle-ci. Mais celle-ci, elle n'a pas de bonus d'ex. Voilà pour ça. Tu en as qu'un qui est à portée de ton leader. Oui, tout à fait. C'est ça. Ouais. Et puis, je vais essayer de... C'est ton tank hein, qui est sur... Oui. Sur la zone de... De power, oui. C'est pas simple parce que il a 4. Ouais. Mais il a moins 1. Ah ouais, donc ça va. C'est mieux. 4, c'est dur. C'est comme un bâtiment, presque. Ouais. Ah, pratiquement comme un bâtiment, surtout quand il est à proximité d'un bâtiment, mais uniquement contre des tirs. Ouais, et puis quand il a un cover, ça peut être bizarre. Voilà. Bon. Je crois que tu l'as eu, hein. Je retire mon beau tank, ma plateforme mobile, et tu gagnes encore un point de power. Donc maintenant, tu as tous ces dés qui vont dans la zone de monstre. Ouais, c'est ça. Et ça termine ton tour. C'est ça. Ok, donc c'est à moi. Alors... Là, je suis dans un choix un petit peu cornélien. Soit j'essaye de t'achever avec mon monstre, ouais. Mais j'aurais peu de dés parce que j'ai plus du tout de power. Là. C'était l'idée. J'aurais que 3 de power. C'était et l'idée. Un dé blanc plus mes dés bleus. Alors si je fais une blast attack, je peux avoir 5 dés bleus. 1, 2, 3, 4, 5, plus 3 dés rouges, plus 1 dés blanc. Donc là, ça va me faire 3 en moyenne, mais 5 dés... Ça va faire 4. 4, 5, 6, 7. Et le dé blanc, ça fait 0,6. Ça fait 7, 8 en moyenne. Et il me faut 9. Donc, c'est pas intéressant. Parce que je pourrais te faire une blast attaque, sachant que
tu as le beatback qui pourrait être projeté, mais c'est pas génial. Ou alors, je fais venir des unités pour gagner du power, pour sécuriser des bâtiments, pour se faire une attaque contre ton monstre, pourquoi pas. Je pense que là, ça vaut pas le coup de faire une phase de monstre. Donc je vais faire une phase d'unité, premier truc. Le risque, c'est qu'ensuite tu sois à côté de moi et que j'ai une phase de monstre. Et que pour le coup, ce soit difficile. Pas forcément. Ah oui. Si je serais forcément à côté de toi. Ouais, c'est simple, et... Tu peux pas faire de stepping. Tu vas. Il y a peu de chances que tu me fasses une attaque. Ah, si, 4. Tu peux me faire 4. Hein. Ouais, tu peux me faire 4 en plus. Donc c'est vraiment trop risqué. Donc je vais vraiment définitivement faire une phase d'unité. Et là, j'essaye de voir si je pourrais pas essayer de te faire des belles attaques combinées. Peut-être pour te faire blesser, passer ton monstre, mais on a vu que c'est pas facile. Hein. Mmh. Et c'est vrai. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire une attaque combinée avec les monstres. Enfin, une attaque combinée avec mes unités. De manière à faire un dégât. À faire des dégâts, à prendre quand même quelques zones de power. Et si possible, sécuriser un bâtiment. Voilà, c'est le but. Et préparer ma prochaine attaque. En plus, t'empêcher un trajet facile, quoi. Donc, je vais faire ça. Je fais une phase de d'unité. Donc, je vais d'abord faire popper mes unités. Alors là, il faut bien réfléchir à ce que je vais popper. Donc, j'ai des avions. J'ai un avion d'élite qui peut être là. Donc, avion. Les avions, c'est ce qui est le plus adapté, je pense. Et lui, que je fasse au moins un avion. Et peut-être lui. Ça devrait suffire, peut-être. Allez. Je fais popper un avion. Je vais le faire popper ici. Je dépense 1. Et je vais faire popper plutôt le char ici. L'avion ici. Puisqu'il est là. Et le grand char ici. Ça me fait 2. On va essayer de s'en tenir à ça. Je pense qu'il faut que je fasse au moins une attaque. Enfin, au moins à 4 mecs. Tu m'as cité, mais ça va être dur hein, quand même. On s'en tient là. Donc, je vais faire tout de suite bouger lui. Lui, il va faire mon hélicoptère. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Même ici. Il vient à 2. Il aura un de truc en moins. Lui, il va venir ici. Donc, il pourra t'attaquer. Et je maintiens une zone de power. Mm-hmm. Lui. Il va venir ici, comme ça il te gêne un petit peu si tu dois venir. Tu as portée de tir. Si c'est pas fort, c'est quand même une portée de 3. Remarque, j'ai même pas besoin. 1, 2, 3. Même là, ça marche. Lui. Attends. Mais non, je vais faire 1, 2. Je suis bien. Ok. Ça, je sécurise aussi le bâtiment. Lui, il va venir là. 1, 2, 3. Je suis à portée. Il me reste à faire participer éventuellement les avions. Donc je vais faire... Là j'ai un truc qui sécurise. Là tu vas faire une phase de monstre hein, prochain tour. Ouais. Lui je vais le mettre ici. Il est bien au milieu. Je suis à portée. Lui il reste là. Et lui, je vais le mettre... Là. Évidemment là tu peux faire un gros truc mais c'est pas grave. Hein, de toute façon. Faire un gros truc. Un rampage. Ouais, c'est pas intéressant. Non. Et lui, il va venir là. Voilà, ouais, il va venir prendre cette zone de power. C'est un peu une erreur d'avant là. Voilà. Bon, bah là c'est terminé. J'ai fait tous mes mouvements, j'ai fait tous mes pop. Je sécurise ce bâtiment. J'ai ces deux zones de power, donc je suis mieux pour le prochain tour. Et maintenant, surtout, je vais faire une attaque qui, si elle marche, te fera passer à un point de dégâts. Donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai même 6 qui peuvent participer. Mmh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils font tous du tir. Ouais, là, c'est pas bon. Donc là, ça me fait ces 6-là. Et maintenant, ce sont les dés bleus qui vont... Alors, lui, te fait descendre de 1, ta défense. 8. Ça fait 8. Et ensuite, on va voir mes bonus en dés bleus. Donc, cette fois-ci, on va pas se tromper. Je commence tout de suite par mon MR Tank. Il a 1 plus 2, ça fait 3 en blast. Mon Rocket Chopper, mon hélico, il a 1. Mon Exo Armor, ce n'est pas un leader en blast, il a 0. Ouais.
il est à 0. C'est pas grave, il a lancé, donc oui, ça sert pas à grand chose. Mais il sécurise. Et enfin, il me reste mes avions normaux. Alors, sur cette fiche-là, il y a une petite erreur. Ils n'ont pas deux des bleus de base, ils ont un, mais comme ils sont à portée, ça leur en fait deux. Ça m'en fait 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Ah oui, 4. Rien pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ça me fait 10 bleus. Voilà. Ok. Et tu as combien de défense ? 8. 9 moins 1. Alors évidemment, tout à l'heure ça n'a pas marché. Là, si ça marche, c'est une bonne chose pour les défenseurs. Pour les défenseurs de la planète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, ça passe. Pas joli. 5, 6, 7, 8, 9. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ça passe. Joli. Cette fois-ci, tu prends une blessure. Voilà. Bien, wesh. Donc, c'était une grosse attaque combinée. Alors là, il y avait vraiment le paquet. Vous voyez, comme c'est dur de faire des blessures à un monstre avec des petites unités. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Et tout ça, ça va dans ma zone de monstre. Et tous ces boosts dice, je les récupère. C'est à toi. Alors, là, pour moi, ça devient un peu compliqué. J'ai en gros deux options, puisque je vais jouer le grand Gorgadra. Soit je reviens ici. Ouais. Mon problème, c'est que je te ferai que 3 dégâts. Si tu viens ici, pourquoi ? Pour te faire un body slam. Ah oui, tu peux venir ici. Alors, tu peux, tu sais que tu peux te déplacer à travers tout ça, tu t'en fous, hein. Mes unités t'empêchent pas de marcher, elles t'empêchent de t'arrêter. Enfin, là, il y a... Ah oui, tu prends... Ah oui, mais oui, mais tu peux contourner. Tu peux contourner. C'est pas une... Mais il se trouve que t'as pile un de plus. J'ai 4. Ouais, ça montre à quel point ça peut être... C'est très serré. Très tendu. Très, très, très serré. Parce que toi, t'es à 1 point et moi, je suis à 4 points de vie. Mais c'est à toi de jouer. Eh oui. Donc, c'est un peu suicide, là. En même temps, j'ai une autre option, qui est de détruire un de ces bâtiments pour me régénérer d'un point. Malgré tout, ça m'amène qu'à 2. Et toi, après, tu joues forcément ton monstre. Oui. Mais tu auras 5 dés. Peut-être même 6. Avec quoi ? 6. Non, même plus. J'aurai 1, 2, 3, 4. Ah oui, parce que tu sécurises. 1 pour la sécurisation et 1 parce que ma capacité spéciale me permet d'en avoir un de plus. Ça, c'est bien vu. Donc après, je vais prendre une bonne fessée si je viens là, c'est ça l'affaire. Écoute, même si ça peut être rigolo d'aller détruire ça pour aller chercher du PV, on va venir ici, prendre un dommage. On va plutôt jouer là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. C'est possible. Merci. Alors, tu vas faire une diagonale d'abord. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Moyennant 2 stepping. Voilà. Ça me permet d'être ici. Ouais, tu es ici. Ce que je peux faire, c'est faire un throw pour essayer de te balancer là. Ce qui est intéressant, c'est que ça passe, ça détruira automatiquement tes unités. Oui. Ce qui est bien. Tu pourras en choisir 2 sur 3. C'est ça. Tu vois lequel. Bon, on va faire ça. On va essayer, hein. On est là pour rigoler. Et ça m'évite de sécuriser et donc de gagner 2 points de power. Ben, j'essaie. Donc. Puis c'est Gorgadra, il est là pour remettre des claques, hein, en vrai. Donc j'ai 5 dés de bonus, moins 1. Parce que je t'attaque à moins 2 de distance. C'est ça. Ensuite, j'ai des dés blancs. Combien tu peux en mettre ? C'est une power attack ? Tu peux en mettre 8. Jusqu'à 8. Donc on va faire ça. Ça fait 2... On a dit 2, 5 environ, ça fait 4. Ça me fait... 6, 5, 7, 5. Et je dois passer 8. On est d'accord. Tu peux assurer. Ah bah oui. Bah de toute façon, oui. Par contre, je vais pas détruire des unités. Quoi. Ça se refera quand même des points de power. Hein. Ouais. Écoute, je vais faire ça. Bleu, blanc, rouge. Oui. Allez. Essayons. Donc tu vas essayer de me lancer par là-bas. Ouais. Parce que vite, chaud. Allez. Faut que je fasse. Alors, c'est bien fait. 3, 4, ouais, 5, 6, 7, 8. Pile! Pile! Le dernier. Si tu avais pas fait ça,
Et oui. Donc 8, ça veut dire que tu me fais 2 grâce à ton attaque, et ensuite tu me projettes et tu veux me faire atterrir où ? Ici. Sur ce, les deux premiers là ? Bon, ouais. Donc tu gagnes 2 points de power. Et on... Bon, émertant qu'il a souvent été broyé. Donc là, il ne me reste plus que 2 points de vie, et toi, il te reste 1 point de vie. On arrive vraiment à la fin. Ouais. Donc, tout va se jouer là maintenant. Soit je réussis mon attaque. C'est ça. Et c'est terminé. C'est ça. Soit si je rate mon attaque, je pense que c'est terminé pour moi. Donc dans tous les cas, ça va se jouer à ce tour-ci, au prochain tour de chacun des deux joueurs. Bien, et ben on va voir. Je vais tenter le coup tout pour le tout. J'ai combien de power ? Alors, je fais une phase de monstre. Je ne sécurise plus malheureusement ce bâtiment parce que tu m'as lancé dessus. Mais j'ai quand même deux zones de puissance. Donc, ça me fait 2 points de power qui sont quand même importants. Carrément. Ça me fait 5 dés rouges. Ensuite, je vais regarder ce que je peux faire. Là, j'ai pas intérêt en réalité. J'ai pas intérêt à faire. À faire une attaque de power parce que je ne peux lancer que 6 dés blancs et que ça me rajoute que 4 dés bleus, donc je vais faire une attaque en blast. Ouais, il suffit d'un dégât. Hein, il suffit d'un dégât, et en plus avec mon beat back, je peux même te mettre sur le... Oui, pour le fun. Pour le fun. Mais c'est même pas la peine, oui, puisque oui. Il suffit de faire une attaque. Donc je vais me positionner. L'important, c'est de me positionner à un endroit qui me fasse avoir le moins de dégâts possible. C'est surtout par rapport au lancer. Il ne faut pas que je reste face à ce bâtiment. Ici, c'est peut-être pas si mal. De toute façon, je ne peux pas éviter les deux d'attaque. Hein. Tu as beaucoup de dés de power là ? Non, tu n'en as que 2. Ouais. Je suis là. Je vais peut-être venir me mettre ici. Je suis ici. Oui, parce que tu peux à distance en plus. Je suis à distance et je ne suis pas dans des endroits où tu peux facilement. Donc, je vais faire ça. Je vais faire 1, 2, 3, 4. 5, 6, voilà. Alors vous pouvez compter, mais c'est sûr, c'est 1, 2, 3, 4, voilà. Il n'y a pas de problème. Okay. Je suis bien en, avec mon jump, j'arrive ici sans problème. Ici, ouais, si tu peux me lancer là, hein, éventuellement. Ouais. Non, je peux pas. 1, 2, 3, 4. Non, je peux pas. Pourquoi ? Tu n'as pas assez de dés de puissance ? Ouais. Tu as des trucs qui tiennent des power ? Non, alors, ça va être... Donc tu pourras pas me lancer, c'est ça aussi le truc. Donc exactement. C'est ça, je j'assure au cas où. Ouais. Et là, je vais faire une blast attaque. Donc je peux lancer jusqu'à 7 dés, donc évidemment je vais les lancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais les lancer. J'ai 5 dés de boost. Ouais. Et je peux mettre les dés de puissance que je veux, je vais tout mettre. Ouais. Donc je fais juste une attaque en rayon, toute simple, pour t'achever. Est-ce que la Terre va vaincre ? Alors, il faut que je fasse 9, hein. Il faut que tu fasses 9. Alors, excusez-moi, là, Là, faut que ça fasse bien rouler les dés. Faut que ça mélange. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien joué, mon frère. C'est voilà. Donc, Gorgadra est détruit. Il n'est pas parvenu... à vaincre la planète. Non, pour et l'instant. La Terre survit. Mais il reviendra. Mais je termine à 2 points de vie seulement. Ouais. Hein. Donc c'était c'est tout vrai. Se jouer sur ce truc-là. Super. Donc j'ai fait un meilleur démarrage que toi, mais tu es très rapidement. Toi, t'es revenu, t'es venu dans mon camp, ouais. Et t'as rattrapé ce retard. C'est ça qui est intéressant. On voit que malgré mon très très bon départ, eh ben, la partie reste très serrée et on voit que. Le positionnement est crucial dans ce jeu. Et puis j'ai détruit le bâtiment qui pouvait me poser un vrai très très vite. T'as bien fait. Parce que... Ce qui fait que j'ai eu des gros problèmes de power. Il y a tout même fait. Une fois où j'ai pas pu t'attaquer parce que j'avais pas assez de power. Et donc parfois, même quand on peut, il faut ne pas attaquer pour mieux préparer sa prochaine attaque, bien se positionner pour ne pas être lancé dans des obstacles qui te font perdre beaucoup de pouvoir, de points de vie. Et voilà. Donc. C'était serré. J'espère que ça vous a plu. Il y aura d'autres vidéos, et notamment la prochaine qu'on tournera, ce sera une vidéo en coop. Ça va être intéressant. À très bientôt, et merci pour avoir regardé cette vidéo. Salut!